J'écoute. Nous avons une femme étranglée, au cinquième. Laissez tomber, elle est avec nous. Vous écoutez ERFM. Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après, il faut savoir qui est le macro derrière. Donc au début, t'es le verbe, mais à la fin, ça va être mon pied au cul, quoi. Son Excellence a fait un voyage. Son Excellence a dormi comme un bébé. ERFM.
Mais pourquoi avez-vous choisi d'écrire un roman et de l'écrire en français ? D'abord, c'est-à-dire, c'est une histoire que moi, il y a beaucoup de choses qui sont vécues hein, par moi, par mes copains. Et c'est une histoire, d'abord, c'est une histoire d'un amour des livres qu'on a, découvert, des livres, des traductions de littérature occidentale. Édito Écho, c'est avec Nicolas Barré-Nicos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. L'actualité, ce sont aussi les Gilets jaunes. Est-ce que le mouvement commence à s'essouffler ? En tout cas, la revendication pour plus d'égalité, elle reste intacte, Nicolas. Oui, c'est un des thèmes les plus fortement mis en avant. Il y aurait trop d'inégalités. Il faudrait donc taxer davantage les plus riches. C'est simple, ça sonne comme un slogan. Ça fait facilement consensus. Le paradoxe, c'est que nous sommes déjà l'un des pays les plus égalitaires de la planète. La France est la championne du monde de la redistribution des richesses. Chaque année, notre pays redistribue près de la moitié, 46,2% exactement, de la richesse qu'il produit, plus qu'aucun autre des 36 pays de l'OCDE, plus que le Danemark, à qui nous venons de ravir la première place des prélèvements obligatoires. Avec ce système de prélèvement et de redistribution, que se passe-t-il ? Eh bien, nous transférons des richesses des plus riches aux plus pauvres à une échelle inégalée. Aucun pays ne fait mieux. Ce système de redistribution de richesses divise par deux les écarts de niveau de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Ce que vous nous dites en clair, Nicolas, c'est que notre système fiscal reste malgré tout très efficace pour réduire les inégalités. Oui, et c'est frappant. Avant redistribution, on est un des pays où les écarts de revenus bruts sont les plus élevés qu'aux États-Unis. Mais une fois que les impôts et les cotisations sociales ont été prélevés, eh bien, les écarts deviennent parmi les plus faibles des pays développés. Notre système fiscal est donc très efficace pour corriger les inégalités, contrairement à ce que l'on entend souvent, notamment parmi les gilets jaunes. Et puis, autre légende qui ne résiste pas à l'analyse, les inégalités se seraient accrues ces dernières années. C'est faux, les 10% des ménages les plus aisés ont un niveau de vie 3,5 fois plus élevé que les 10% les plus pauvres. Et cet écart, Nikos, n'a pratiquement pas bougé depuis 20 ans. Faire plus pour ceux qui ont moins. C'est avec ce slogan qu'Emmanuel Macron a présenté son plan anti-pauvreté. Mais que signifie précisément être pauvre en France aujourd'hui ? Quel est le niveau de la pauvreté ? Son intensité ? Pour mesurer le phénomène de pauvreté, il faut d'abord cerner le problème. L'INSEE s'est calé depuis 2008 sur la définition européenne de la pauvreté monétaire, en situant son commencement à 60% du revenu médian, le revenu qui sépare la population en deux. C'est une définition plus large de celle retenue jusqu'alors en France où le seuil arrêté était de 50%. Aucun seuil n'est plus objectif que l'autre. Il s'agit d'une convention statistique. Mais ce choix n'est pas neutre, car ce saut change tout. Dans un cas, pour une personne seule, être pauvre, c'est disposer de 1 026 € de revenus mensuels. Selon la composition du foyer, le seuil de pauvreté varie ensuite et passe, pour les familles monoparentales avec un enfant de moins de 14 ans, à 1 334 €. Jusqu'à 2 155 € pour un couple avec deux enfants. Cela concerne près de 9 millions de personnes en France métropolitaine, soit plus de 14% de la population. Toutefois, à ces niveaux de vie, on perçoit environ le double du RSA. On est donc très loin de la pauvreté ou du public contraint d'avoir recours aux associations caritatives comme les Restos du Cœur. Il y a donc là un amalgame entre population pauvre et catégorie modeste. En resserrant la définition au seuil de 50%, les balises monétaires passent de 855 € pour une personne seule à 1 796 € pour un couple avec deux enfants. Cela concerne quand même 5 millions de personnes, soit 8% de la population. En tout état de cause, en conservant la même définition dans la durée, cela permet de détecter les évolutions et les points d'inflexion. La tendance ne souffre d'aucune contestation. Avec la grande récession, la pauvreté a augmenté. Au premier seuil de 50%, de 628 000 personnes, au second de 60%, de 824 000. La situation actuelle montre ô combien nous sommes en rupture avec la tendance historique. Bien entendu, il y a une composante démographique car la population française augmente. Il faut donc passer au taux de pauvreté pour mieux appréhender la tendance, c'est-à-dire rapporter le nombre de personnes pauvres à la population totale. La pauvreté a fortement reculé des années 70 jusqu'au début des années 90. La crise
du début des années 90, qui commence avec la guerre du Golfe et dont l'épicentre se situe en 1993 en France, marque une première rupture. Mais le mouvement reprend sa trajectoire naturelle et le taux de pauvreté descend à son plancher historique en 2002, 6,9%, et reste très bas jusqu'en 2004. Une seconde rupture intervient alors en 2005 et se consolide par la suite avec une nette accélération à partir de 2009. Nous sommes bien là à un tournant de l'histoire sociale de la France. Augmentation de la pauvreté, mais pas seulement. L'intensité de la pauvreté, qui permet d'apprécier à quel point le niveau de vie médian de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté, a eu tendance à s'élever depuis le début des années 2000. La moitié des personnes pauvres a un niveau de vie inférieur à 700 euros par mois, soit un écart de 17,3% au seuil de pauvreté. En 2002, date où le taux de pauvreté touche son plancher, l'intensité de la pauvreté était de 14,4%. Une pauvreté qui touche plutôt les jeunes. Parmi les 5 millions de pauvres, plus de 30% ont moins de 18 ans. Leur pauvreté est d'abord celle de leurs parents. C'est une caractéristique forte, la pauvreté se vit en famille. 3/4 des pauvres vivent en famille, avec ou sans enfants. Les femmes sont également plus frappées par la pauvreté, mais l'écart reste limité avec les hommes compte tenu de leur poids dans l'ensemble de la population. Parmi les facteurs discriminants, l'emploi. 68% des pauvres de plus de 18 ans sont soit inactifs, soit chômeurs. Enfin, en prenant les 25% des départements où le taux de pauvreté est le plus élevé, une fracture très nette apparaît. Une partie se concentre au nord, une autre en Île-de-France, dont Paris, ce qui montre l'étendue des inégalités au sein de la capitale et de la région parisienne, et dans le sud-est. Dans un pays comme la France, dont la richesse s'élève à nouveau avec la reprise, la pauvreté ne cède aucun terrain. Signe, s'il en fallait, de la montée des inégalités. L'Église est occupée. Elle est occupée par cette contre-Église que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles. L'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, moi, nous en mourons.
Les éditions Contre-Culture vous présentent... Le cinéma est né en France. Les Frères Lumière d'abord, Charles Pathé, Léon Gaumont ensuite, sans oublier Georges Méliès, tous précurseurs du 7e art, sont français. Mais si le cinéma est né dans les laboratoires de France, c'est à Hollywood qu'il a grandi, qu'il a conquis son autonomie à la fois d'industrie et d'art, que sa technique s'est prodigieusement développée et perfectionnée. Là-bas, les réalisateurs Van Dyck, Stroheim, John Ford, Howard Hawks et bien d'autres sont tous chrétiens et leurs créations, ainsi que leurs méthodes de travail, sont tous typiques de l'esprit Yankee. À quel moment donc, par quels moyens, Hollywood et l'industrie du cinéma sont-ils passés en grande partie en d'autres mains? C'est à cette question que Lucien Robatet répond ici. Il est symbolique d'observer que la première tribu juive du cinéma n'apportait d'autres contributions que son ingéniosité commerciale. Les Aryens avaient créé les Juifs, accourés derrière eux pour exploiter leur travail. Ce mot d'exploitation, si plein de sens en la matière, est du reste entré comme on vient de le voir dans le vocabulaire quotidien du cinéma. Les tribus du cinéma et du théâtre,
Lucien Rebattet, 132 pages, 19,50 €. Disponible sur contreculture.com. I lit my purest candle close to mine window, hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting house. Before he came, I felt him drawing near. As he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories, I'm called to the hobo. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of old, I knelt to the hobo. And he stood before my fleeting house. No, said the hobo, no. Don't ask me now to wash away the grime. I can't come in because it's too high a climb. And he walked away from my fleeting house. Then you be damned, I scream to the hobo. Leave me alone, I left to the hobo. Turn into stone, I melt to the hobo. And he walked away from the fleeting house. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Ça fait deux ans qu'on a tenté. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Depuis deux ans, ça a empiré. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Promesses dans le vent, discours poussés. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Y'a plus d'argent, tout a augmenté. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. On n'arrête plus d'être taxé. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Mais pour manger, c'est compliqué. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Le prix de l'essence s'est envolé. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. Ce gouvernement va nous échouer. J'entends la foule, les gilets jaunes chanter. J'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes.
les j'entends la foule, le ras-le-bol et les problèmes, j'entends la foule, les gilets jaunes chanter. I
Le transhumanisme, hein, c'est bon, et cette idéologie est la digne fille de son père ou de sa mère qui s'appelle la cybernétique et qui est un vaste processus d'égalisation, mais jusqu'au fanatisme en fait, hein, y compris donc d'égalisation du vivant et du non vivant. Plus vraiment de différence. Et donc d'égalisation, hein, de. Alors bon, on peut aussi mentionner effectivement la théorie de la confusion des genres qui vise aussi à égaliser. Ça fait partie du processus. C'est du transhumanisme. ERFM. Son un tan fe, son un tawarayu, son ei vaintia, son ei taintia, son puta tayanaita, son puta tayanaita. Son un tan tasi, son un tan fe, son un tawarayu, son ei vaintia, son ei taintia, son puta tayanaita, tayanaita, tayanaita. Sod put tante, sod put tawaraju, sod ei wantia, son ep taintia, sod put tayanaitas, sod put tayanaitas, sod put taintas, sod put tante, sod put tawaraju, sod ei wantia, soy ep taintia, son put tayanaitas, tayanaitas, tayanaitas.
sol, put, tan, tasi, sol, put, tan, te, sol, put, la guana, yu, ey, guay, tía, sol, edi, tan, tía, sol, puta, taya, tasi, sol, puta, taya, tasi. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle pensée de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu places mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit, toute la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et moi la chance à celui qui veut ma place, oui ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Tu sais, mais nous viens d'amour.
Hey Joe, où as-tu trouvé cette fille de la tête jusqu'aux chevilles? Aussi formidable, elle est comme ça. Hey Joe, on dirait une seconde version de la Joconde, retouchée pour faire du cinéma. Oh sacré Joe, hein? Oh c'est du gâteau. C'est la belle Hélène avec des talents hauts. On dirait que le bon Dieu, pensant à elle, avait créé toutes ses beautés pour faire mieux. Hey Joe, moi je te le dis mon vieux frère, je lui offrirais bien un verre entre 5 et 7 ans, mon studio. Ses cheveux sentent la vanille, à Tahiti on n'a pas comme ça. Hey Joe, depuis notre plus jeune âge, tout ce qu'on a on se le partage, je partagerai bien encore cette fois. Ah come on Joe, hein, ah, on est copains, on s'est juré d'être copains jusqu'à la fin, ah. C'est dans les mauvais moments qu'on apprécie ceux qui vous aiment, mais là quand même, tu comprends. Hey Joe, comme je le disais à ta femme, cette fille c'est tout un programme, elle m'aime, elle ne m'embrasse pas comme ça. Elle m'aime, ne m'embrasse pas comme ça.
repousse le principe de l'antiracisme jusque dans ses conclusions les plus extrêmes. C'est-à-dire que, bon, l'antiracisme consiste à dire qu'il n'y a pas de différence entre les races, mais il y a une nouvelle mouture de l'antiracisme, c'est l'antispécisme, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces. L'antispécisme marche souvent de pair avec le véganisme, et donc les deux ensemble convergent dans cette nouvelle idéologie panthéiste ou un peu animiste, selon laquelle il n'y a pas de différence substantielle entre les espèces vivantes. Et donc il n'y a pas de différence entre substantielle entre les humains et du plancton marin, par exemple. Et au-delà de ça, donc, on va encore plus loin avec le transhumanisme, c'est qu'il n'y a même pas de différence substantielle entre une machine et un être vivant. ERFM. Chez Max, coiffeur pour hommes. Où un jour j'entrerai comme, par hasard, me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles. Je tombe sur cette chienne champouineuse qui aussitôt m'aveugle par sa beauté païenne et ses mains savonneuses. Elle se penche et voilà ses doudounes comme deux rahat loukoum à la rose qui rebondissent sur mes nuques boum boum. Je pense à la fille du calife de la 1002e nuit. Et sans la pointe d'un canif me percer le cœur, je lui dis petite, je te sors ce soir, ok? Elle a d'abord un petit rire comme un ok. Puis, sous le sirocco du séchoir dans mes cheveux, petite garce, laisse choir. Je veux.
des loups. Les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant, devant ma vie, les paupières en parapluie. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de travailleur. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. J'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Thank you.
Au bon sens, produit sain et enraciné, vous présente l'huile d'olive vierge extra de Beaucaire. Cette huile de première pression à froid provient de l'agriculture française des oliviers de Beaucaire dans le Gard. Non filtrée et de catégorie supérieure, elle est simplement issue de la pression du fruit. Son terroir évoque simultanément la Provence, la Camargue et le plateau des Côtières. C'est une huile épaisse, très colorée, savoureuse. Délicieuse sur une salade ou en vinaigrette avec de l'ail et du basilic. Pour préparer un aioli, une fougasse provençale, elle rajoute sa touche méditerranéenne à vos lasagnes, moussaka, ratatouille. La chaleur diminue la saveur et la qualité de l'huile. La chauffer détruit une partie de ses précieux antioxydants. Privilégiez une cuisson douce en gardant toujours sa température inférieure à 160 degrés et préférez sa dégustation crue. L'huile d'olive au bon sens est conditionnée en bouteille de 500 ml pour 11,90€. Disponible sur aubonsens.fr. Maradona, 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 Maradona.
a song that I wrote, La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a l'a dit, l'a juré. Sans en moi mon cœur qui bat. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong. And love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. La, 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 la. Thank you.
left side, he's the right side, oh no. That gets something I can't Je suis l'amant de votre fille. Quoi ? Monsieur m'a appelé. Sortez d'ici, vous ! Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui ! Moi ! Ou plutôt non ! Vous restez, vous sortez !
Je vous demande pardon, monsieur, mais j'ai pas très bien compris. Lequel de nous deux doit sortir et lequel doit rester? Allez réfléchir à ça dans la cuisine, vous! Bien, monsieur. Le RFM. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, we're gonna let the good times roll. Today's the day she's coming home to stay. We're gonna let the good times roll. I'm gonna meet my baby at 9:45. We're gonna let the good times roll. I'm gonna be at the station when the train pulls in. Gonna let the good times roll. Gonna let the good times roll. Gonna let the good times roll. Gonna be at the station when the train pulls in. Gonna let the good times roll. I'm gonna see my baby come face to face. Gonna let the good times roll. I'm gonna dance a little jig all over the place. I'm gonna let the good times roll. She's gonna walk right in, she's gonna sit right down. We're gonna let the good times roll. When she gets here, we're gonna paint the town. We're gonna let the good times roll. Gonna let the good times roll. Gonna let the good times roll. When she gets here, we're gonna paint the town. We're gonna let the good times roll. Gonna hold her tight. Gonna let the good times roll. Gonna hug her close with all of my might. Gonna let the good times roll. I'm gonna lock the windows. Gonna bar the door. We're gonna let the good times roll. She ain't never gonna leave no more. Gonna let the good times roll.
Gonna let the good times roll. Gonna let the good times roll. She ain't never gonna leave no more. Gonna let the good times roll. Ils ont été déportés par les Anglais et non défendus par la France. Du coup, les Acadiens se retrouvent en Louisiane, pour la plupart, et certains décident de rester là-bas parce qu'ils y ont trouvé une espèce de paix, on les laisse tranquilles là-bas, d'où les francophones en Louisiane. Et d'autres ont dit, mais non, là-bas c'était chez moi, et têtus comme des Français, on dit chez nous, ils sont retournés à pied jusqu'à un village qui s'appelle Grand Pré au Nouveau-Brunswick, et moi je suis originaire d'une petite ville juste à côté. Ça leur a pris presque 20 ans. Et là-bas, avec l'aide des Amérindiens, ils ont reconquéri leurs terres. Et encore chaque année, au 15 août, on a la fête des Acadiens, on a le Grand Tintamarre, où on sort dans la rue avec nos casseroles, avec tout ce qu'on peut pour faire du bruit, pour montrer aux Anglais qu'ils n'ont pas réussi à nous chasser. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb.
myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. Thank you.
Thank you.
Au bon sens, produit sain et enraciné, vous présente l'huile de bourrache, la plante aux fleurs bleues comestibles en forme d'étoile qui s'extrait de ses minuscules graines. Elle est riche en acides gras essentiels, particulièrement gamma, linolénique et linoléique. Elle s'avère bénéfique pour la peau et les fanères. Elle prolonge la jeunesse de la peau et redonne fermeté et élasticité aux peaux sèches. L'huile de bourrache peut également soulager certaines dermatoses et aider la peau à se régénérer. Elle ralentit la chute des cheveux et favorise leur pousse. L'huile de bourrache au bon sens est extraite en première pression à froid, bio et certifiée Écocer. 23,60€ la boîte de 150 capsules de 500 mg, disponible sur aubonsens.fr. Dans le cadre du protocole et du suivi par un thérapeute, elle peut s'avérer utile à l'équilibre féminin.